L'horloge de la voiture n'est toujours pas à l'heure. Charles de Gaulle écourte sa mission en Atlantique. Une quarantaine de marins ont été placés sous observation, suspicion de coronavirus. Ils sont donc à l'isolement. Des tests vont être acheminés à bord aujourd'hui. Le porte-avions fait maintenant route vers Toulon. On estime aujourd'hui à 17 millions le nombre de Français à risque face au coronavirus. Le confinement va donc durer encore plusieurs semaines, explique ce matin Jean-François Delfrécy. Selon le président du conseil scientifique, l'Est de la France vient de passer un cap. Le nombre d'admissions en réanimation est en train de se stabiliser. Donc l'heure n'est pas encore au déconfinement. Emmanuel Macron devrait d'ailleurs apporter des précisions demain.
demain lors de son allocution à 20h. Ce sera la troisième du chef de l'État depuis le début de la crise. Peut-être parlera-t-il d'ailleurs aussi des masques. Ils devront accompagner la sortie du confinement, explique encore Jean-François Delfraissy. Son utilisation devra être plus large. À Wuhan, en Chine, foyer de l'épidémie, on y est depuis ce matin. Le déconfinement après 76 jours. Les autorités ont décidé donc de rouvrir les portes de la ville aux 11 millions d'habitants, mais attention, à condition qu'ils soient en bonne santé, et il faudra montrer pour cela patte blanche. À Pékin, la correspondance de Dominique André. Je viens d'annuler le voyage en train que j'avais prévu pour aller mimer à l'atelier qui était organisé à l'université d'Evry. Voilà. Donc c'était prévu mi-mai. Donc François Bon a envoyé un mail il y a 2 jours pour nous dire que ça serait reporté au mois d'octobre ou novembre. Arnaud, c'est Mylène. Je suis bouleversée, je viens de regarder ta vidéo. C'est splendide. Je suis en larmes. C'est magnifique. Pardon, je voulais te parler avec ma voix pour te dire vraiment merci. C'est sublime.